Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Moi je dis, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Jésus est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon Jésus est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Moi je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Recommande ton sort à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délits, mets ta confiance en lui, il agira. Il agira. Mon Jésus est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Enfant de Dieu, arrête de te lamenter, arrête de t'agiter. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 37. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est l'Éternel, place ta confiance en lui. C'est lui qui agira en ta faveur. Donc ce matin, ta première prière, tu dis, Seigneur, je recommande mon sort à toi. Je remets ma confiance en toi en ce jour encore. Viens et opère des miracles dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Commence à prier maintenant. Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons notre sort à toi ce matin. Je remets ma vie entre tes mains. Je te recommande mon sort. Toi qui as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Tu as dit, fais de l'Éternel dans le livre de Psaume 37, le verset 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, je fais de toi mes délices. Accorde-moi le désir de mon cœur, Père, dans le nom de Jésus. Je fais de toi ce matin, Papa, mes délices. Accorde-moi le désir de mon cœur, ô Dieu des cieux, dans le nom de Jésus. Tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui, il agira. Papa, sûrement tu vas agir dans ma vie. Tu agiras pour la gloire de ton nom. Agis dans ma vie. Je remets mon sort entre tes mains. Je place ma confiance en toi. Papa, dans cette situation que je suis en train de traverser, je ne vois pas de porte de sortie, mais ma confiance est en toi. Papa, mes projets sont en train de sombrer. Je ne sais pas comment faire, mais ce matin, je place ma confiance en toi. Mon entreprise est secouée. Oh Dieu, mais ce matin, je place ma confiance en toi. Parce que toi seul es capable, oh Seigneur, de changer toutes choses dans le nom de Jésus. Tu pouvais dire à Ézéchiel, oh, est-ce que les ossements peuvent encore revivre? Ézéchiel t'a dit, Père, toi tu le sais. Ce matin, nous te disons que tu le sais. Parce que tu as toute situation entre tes mains. Tu as tout entre tes mains. Toi seul le sais. Tous les documents peuvent revivre. Toi le sais.
Tu le sais parce que tu as la solution en tes mains. Mais nous, nous plaçons notre confiance en ce Dieu fidèle, en ce Dieu vivant, en ce Dieu glorieux, celui qui ne change jamais, celui qui a gardé son alliance avec Abraham, celui qui a été avec Isaac, celui qui a été avec Jacob, celui qui a défendu la cause de son église, la cause de son peuple depuis des années et des décennies. Ce matin, nous plaçons notre confiance en toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, merci Seigneur. Sois béni ce matin dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier ce matin en demandant à Dieu de, que toute racine dans le livre de Matthieu 5, Matthieu 15, le verset 13, il dit « Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. » Tu vas déraciner dans ta vie les semences maléfiques de l'ennemi. Les caractères maléfiques, des habitudes maléfiques, des choses que l'ennemi est venu mettre dans ta vie, tu les déracines ce matin au nom de Jésus. Papa, maintenant, dans le nom puissant de bien-aimé, commence à prier, prie maintenant. Je t'ai donné le sujet de prière. Prie maintenant au nom de Jésus. Père, toute semence maléfique dans nos familles, toute semence maléfique dans ma vie, des caractères, des habitudes qui ne te glorifient pas, ce matin, je les déracine par la puissance du sang de Jésus. Je les déracine par la puissance du sang de Jésus Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, tout comportement, Seigneur mon Dieu, qui va m'enlever sur le chemin de Dieu, je détruis cela par la puissance du sang de Jésus Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a placé à moi, ce matin, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lisez encore avec moi dans Job. Nous allons finir dans Job 32. Job se trouve avant le livre de Psaume. Job 32, je voulais vous encourager d'étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas de la magie, c'est la parole de Dieu que nous utilisons. C'est la parole de Dieu, Job 32. Il faut étudier la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Quand on finit de prier, il faut avoir le temps dans la journée pour lire la parole de Dieu. C'est notre parole qui est ta nourriture. Amen, alléluia. Lis la parole de Dieu. Job 32, le verset 8 nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Seigneur, donne-moi l'intelligence en cette journée par ton esprit. Papa, injecte dans mon cerveau l'esprit de l'intelligence. Donne-moi l'intelligence dans le nom de Jésus. Donne-moi, oh Dieu Tout-Puissant, donne-moi des idées divines. Les idées divines, c'est l'intelligence. Donne-moi les idées divines et donne-moi la capacité de les mettre en pratique dans le nom de Dieu. Donne-moi l'inspiration, la sagesse, la révélation, Seigneur mon Dieu. Comment avoir accès, Seigneur mon Dieu? Comment rentrer dans les bénédictions, Papa? Donne-moi cette grâce-là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te bénissons. Nous te disons merci. Notre journée est entre tes mains. Nous nous inquiétons de rien. C'est ce que tu as dit. Nous vous inquiétez de rien. Ce matin, nous ne voulons pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Parce que nous dépendons de toi dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé et béni, Père, pour ce temps de prière. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.